L'opposant ougandais Bobi Wine réclame l'annulation de la présidentielle du 14 janvier 2021. Il a saisi la Cour suprême de l'Ouganda le 1er février 2021, dénonçant des fraudes massives lors de ce scrutin. Bobi Wine, qui estime que la victoire à la présidentielle lui a été volée, souhaite également qu'une inéligibilité soit prononcée contre le président Yoweri Museveni en vue d'élections futures. Les recours introduits par les candidats malheureux aux élections présidentielles ougandaises a très peu de chances d'aboutir. Après plusieurs années d'exercice d'un pouvoir autocratique, le président Museveni a bien verrouillé le système, de telle sorte que tout concourt à son maintien et à sa pérennisation au pouvoir. Le recours de Bobi Wine intervient alors que le président Museveni a clamé que la récente présidentielle était l'élection la plus transparente de l'histoire du pays. Pourtant, son principal rival affirme détenir des preuves suffisantes de bourrage d'urnes, de tactiques d'intimidation auprès des électeurs et de manipulation des résultats dans certains bureaux de vote. On ne peut pas parler des élections transparentes lorsqu'on a tout mis en œuvre pour mettre les bâtons dans les roues de l'opposition. Et si on lit la plainte de Bobi Wine, on se rend compte qu'il ne dépose pas seulement plainte pour bourrage d'urne, mais il les dépose également pour violence et tout ce qui a accompagné le climat général de ces élections. Bobi Wine a attendu le dernier jour du délai de 14 jours réglementaire pour déposer son recours. Désormais, la Cour suprême ougandaise dispose de 45 jours pour statuer. Rappelons que tous les contentieux électoraux impulsés par l'opposition ont systématiquement été rejetés par la justice au cours des quatre précédents mandats du président Museveni.